sommes très heureux d'accueillir ceux qui font vivre l'automobile au quotidien dans notre région, ceux qui connaissent le mieux eh bien, un des secteurs majeurs sur un circuit qui est celui de l'automobile, avec ce nouveau nom, Mobilience, qui nous fait aujourd'hui évidemment très plaisir parce que nous aussi sur un circuit, on est en train de travailler et d'évoluer sur la mobilité. Et à un moment où on se pose la question sur ce que deviendront les véhicules thermiques d'aujourd'hui, eh bien le sport automobile a toute sa place pour chercher, pour être une sorte de laboratoire et dès qu'on aura trouvé la meilleure des solutions, être le vecteur de communication de tout ce secteur automobile dont, je l'espère, il va se relever de la crise que nous sommes en train de traverser. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être présent à la réunion régionale de notre région PACA sur le circuit du Castellet, le circuit Paul Ricard. Très content de rencontrer beaucoup de nos adhérents parce qu'aujourd'hui la situation est compliquée. Au-delà bien sûr de femelles de conflit international, s'ajoutant à la crise des semi-conducteurs, plus une sortie de crise sanitaire, vous imaginez bien que tout est quand même tendu, compliqué pour chacun de nos métiers. Je suis venu dire ici que Mobilience, ce nouveau nom du CNPA, derrière ce nouveau nom, il y a cette notion d'alliance de tous nos métiers pour être plus forts, écouter les gens, essayer de trouver ensemble les bonnes voies de sortie, les meilleures possibilités de réflexion pour la défense et l'avenir de tous nos métiers. Bah écoutez, on vient de vivre une assemblée générale qui s'est très très bien passé, plus de 130 participants, la présence du président national, bien sûr, Francis Bartholomé, et puis la satisfaction aussi d'avoir été réélu 100% des voix, mais surtout très très heureux des nouveaux présidents que j'ai pu nommer dans les différents départements, afin que Mobilience puisse se battre au quotidien. Et comme l'a dit notre président national, il faut qu'on soit omniprésent partout. Nos adhérents peuvent compter sur nous en tous les cas. On sera là tous les jours, au quotidien, pour se battre à leur côté. Très honoré aujourd'hui d'avoir rencontré mes collègues, le président national et tous les adhérents présents. J'ai accepté aujourd'hui d'être dans l'équipe de Patrick Chatrieux parce qu'aujourd'hui on est une bonne équipe, soudée, on se connaît tous un petit peu, mais on a tous la même volonté, c'est défendre vraiment nos adhérents, être présents sur le terrain, proche d'eux, on veille et on est à vos côtés. Donc, j'ai rejoint l'équipe de Patrick Chatrieux, un peu à sa demande, pour prendre la présidence du département 13. Par rapport aux interventions de ce matin, j'ai trouvé que notre président national a fait une intervention rassurante pour nos activités. Dans ces moments assez difficiles, nous tenir un discours rassurant est plutôt de bon augure. Très fier aujourd'hui, ici au Castellet, d'avoir été réélu dans cette nouvelle équipe. Toujours avec le plaisir d'avoir Patrick Chatrieux aux manettes et d'avoir le plaisir de l'accompagner une nouvelle fois pour ces 4 prochaines années. Donc j'espère que 2022 va être une belle année. J'ai véritablement foi à la fois dans notre métier et en même temps dans nos adhérents qui ont véritablement le métier et la mobilité au cœur. Et mes camarades que je félicite d'ailleurs au niveau de la région, les différents vice-présidents et trésoriers et mes amis également qui m'entourent au niveau des départements, toute une équipe de gens déterminés, volontaires et qui ont envie véritablement de mettre la mobilité et l'alliance des mobilités au cœur des sujets et au cœur de notre avenir.